Vas-y, je lance une VOD. Rien ne clignote, rien ne bug. Bonjour YouTube, si jamais, on sait jamais ce qui peut se passer. Si jamais cette VOD arrive jusqu'à YouTube, sache qu'on fait des crash tests parce que j'ai changé des choses dans mon PC, que ça a bugué, je reviens en arrière, je reteste. C'est un peu la merde. C'est un peu la merde. Mais bref, tu vis aussi, toi, les tests. Et pour ce faire, j'ai relancé Isaac. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Isaac ensemble. Je suis plus sûr de où on en est. La dernière VOD semble être Zolemb avec Lilith. Avec Méga Satan, puisque quand il y a un personnage normal, il faut aussi faire Méga Satan, sinon il le précise. Le prochain objectif étant justement, bah c'est la même chose. C'est Zolemb Méga Satan, mais avec Tainted Lilith. Donc c'est quoi? C'est Ace qui disait ça, je crois. Donc en fait, c'est cet objectif-là. Zolemb Méga Satan, Tainted Lilith, ce qui veut dire Angel Room. Et ça débloque les trinkets dorés? Non, trinkets dorés ou pilules dorées ou je sais pas, Fool's Gold, ça veut dire quoi ça? Je sais pas. J'ai fait des tests, Sky est pour l'instant stable. Ah, c'est un item? Bon, on verra de toute façon. On verra. Donc, Tainted Lilith. Objectif, Méga Satan, Zolemb. Si vous connaissez pas ce personnage, c'est très sympa. On fouette avec notre petit fœtus. Enfin, c'est bonne vibe. C'est très bonne vibe. Ah, je vois pas mes PV. Vous voyez, on fouette comme ça. C'est les rochers avec les pépites d'or. D'accord. Et on commence avec le gros clou. Un bon boost de dégâts. C'est un très bon starter, ça. On est parti, hein. Bon, par contre, on est lent du cul, hein. On n'a pas beaucoup de vitesse. Ah, les souvenirs de ma césarienne. Ça faisait ça, toi aussi? J'espère que t'as coupé le cordon, hein, parce que c'est pas évident quand même. Hein. Sachant que la petite bestiole a les larmes homing qui vise toute seule. Mais dans les premiers étages, le simple coup de fouet suffit. D'ailleurs, j'ai pas vérifié si on était fluide. Parce que rappelez-vous, il y a une fois où on a capturé du Isaac et on s'est rendu compte que c'était la merde. Mais ça a l'air d'aller quand je vois le perso marcher là. Oh! Une énorme pièce. Ouais, tu me diras, King. Parce qu'il y a des fois aussi où le retour, c'est pas exactement la même chose que ce que vous avez. Super, toi. Salut, Strog! Plus qu'elle a comme PV, je crois qu'elle a pas de PV rouge. Ah si, elle en a un. Fléau de cécité, bah cette fois je vois pas les items. Bah c'est super. C'est super. Ça fouette un max. Bien que j'ai des bombes pour les Angel Room. Parce que j'ai trop l'habitude maintenant de jouer Devil Deal et quand il faut aller voir Méga Satan, bah. C'est le drame. Une clé dorée pour avoir clé infinie sur l'étage. Explosion plus puissante. Je regarde la fluidité. Mais déjà, pour reparler des tests de. De fluidité, de fin de fond. Bref, des tests tout simplement. On peut jouer. Un stream peut avoir lieu. C'est quelque chose, hein. Ancienne GPU, ouais. J'ai pas lu GPU.
Mais j'avais peur qu'avec toutes les mises à jour de pilote, il y ait encore des problèmes. Mais apparemment, ça va. Tout passe par la carte graphique, ouais. J'ai tout remis comme c'était. C'est pas l'encodage CPU. Ce qui serait un peu biaisé hein, avec le CPU. Bah. C'est pas la carte graphique qui bosse vraiment. Je sais pas si c'est que moi, mais quand j'arrive sur le stream, il y a encore la mention... Ah oui, j'ai oublié de le décocher. Déjà hier, je l'ai vu. Oui. J'oublie parce que bah déjà, d'habitude, je le coche pas. Et je l'avais coché pour le jeu qu'on avait fait l'autre jour. Et j'ai oublié de l'enlever. Partenariat rémunéré, ouais, le truc... Le truc Twitch, là. C'est à cocher dans... C'est là où tu mets le titre de ton stream. Ouais, les Moomins. Je l'avais coché parce qu'on m'avait envoyé le jeu, quoi. Je l'ai pas payé moi-même. Je déteste cette salle. Après, j'avais pensé à peut-être le laisser à tout jamais, ce truc, parce que ça me saoule d'y penser quand il faut le mettre ou quand il faut pas le mettre. J'ai jamais compris le but d'Isaac. Le but d'Isaac, c'est d'atteindre le boss. Sachant qu'il y a plusieurs boss, donc il y a plusieurs routes, tu vois. Là, notre but, c'est Méga Satan, donc je connais la route. Il faut faire tous les objectifs, tous les boss, pour chaque perso. Si tu veux vraiment terminer le jeu. Après, t'es pas obligé de faire ça, mais... Et à chaque fois que tu fais un objectif, ça marque, tu vois l'espèce de post-it, là. Il y a déjà une marque sur ce perso, ça veut dire que j'ai déjà fait une route avec ce perso. À chaque fois que tu me fais ça, tu débloques un nouvel objet. Ouais, il y a 34 persos. Et je sais plus combien de boss, de routes à faire. Chaque fois avec un gameplay un petit peu différent. Ah! Oh putain, j'ai cru que j'allais m'exploser la tronche. Les tests sont plus ou moins terminés. Je saurais pas trop quoi dire de plus, Arbousier. Mais en vrai, les tests vont perdurer pendant encore 2 semaines, tu vois, jusqu'à ce que je me dise « Ok, c'est bon. Mais j'ai lancé une run. Une vraie run. Ah bah je comprends le win, hein. Il y a beaucoup de choses, après je pense que tu peux tout simplement débarquer en plein milieu et prendre le chemin, enfin le train en route. Tu poses des questions si tu veux, le chat te répondra ou je te répondrai, bah voilà, il n'y a pas de souci. J'essaye quand même de réexpliquer certaines choses. Mais bon, je peux pas toujours tout réexpliquer. C'est quel mode? Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Unintrusive Pause Menu. Je crois. Quelque chose dans ce goût-là. Et du coup, voilà, je répète que là... Mon objectif, c'est d'aller tuer Méga Satan... Pour aller à Méga Satan, il me faut une clé. Pour avoir les morceaux de cette clé, il faut aller tuer des anges. C'est pour ça qu'on va aller en Angel Room. Pour aller en Angel Room, il faut pas aller en Devil Deal. Ouh, alors c'est bien ça, mais je vais être tellement lent. Je vais être tellement lent. Je le prends quand même.
zéro, ça. Zéro dégâts sur le boss, hein. Ah, tu dis ça rame du cul, putain. Faites gaffe, hein, parce que... Là, j'ai cru que c'était le stream qui ramait du cul, mais c'est le perso, tu voulais dire. Bon, l'Angel Deal, c'est ouvert. On a un petit HP up avec, avec des dégâts, c'est trop bien. Écoutez, on prend, mais il me faudrait de la vitesse. Et nous avons le choix entre deux très bons objets. Qu'est-ce qu'on prend? Le vol, hein, peut-être. Ouais, je pense qu'on va partir sur le vol, c'est trop pratique de voler. Non, mais je vais voler. Je me demande si d'ailleurs le rayon va pas être homing. Et du coup, j'ai besoin des clés. Il faut que je bute les anges. Est-ce que le rayon est homing? Pas du tout. Premier morceau de clé, il en faut deux. On continue. Sont à terme, je spammerai plus le fouet. Hein. C'est vrai, surtout en début de partie quand même que c'est fort. Après ça se limite un petit peu. Ah, je vole, hein, va falloir que je m'en souvienne. Oh, je suis trop lent, je suis très très lent. Je me mets là, je bouge plus. J'ai une technique. La lune. Alors, vu que je vole, je peux entrer dans cette salle avec les pics. Entrer dans cette salle fait des dégâts, en sortir aussi. Mais quand tu voles, entrer ne fait pas de dégâts, mais sortir en fait. Donc ce que je vais faire, je vais rentrer sans dégâts. Checker. Oh, oh. La tête du chat mort qui invoque des mouches, on aime bien. Et je vais utiliser ma carte, parce qu'elle me TP. Les pilules, c'est une connerie. Exploser le mendiant. Rajoute des chances d'Angel Room. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On teste les pilules? Pilule speed up. Et si c'est l'inverse, hein. On sait jouer au jeu. Enfin bref, pas tout le monde Skyplay, putain. Ça me dérange pas en plus de répéter. Sur Isaac. Je vais tester les pilules, hein. Vitesse diminuée. C'est très grave. C'est très très grave. Phéromone, on s'en fiche. Bon, a priori, s'il y a une pilule vitesse diminuée, ça veut dire que dans la game, il existe aussi la pilule speed up. Voilà. Lilith en slow motion, là, ouais. Oh, la vache! Enfin, c'est au sens propre, hein. Giga vache, hein. Un petit bébé... qui servira pas beaucoup, je pense. Mais si on en a trois... J'imagine une vache avec un gigapi. Elle est pleine. Tu dégoûtes, non? Elle est pleine. Tu
Tu sais à quoi je pense? Alors ça va peut-être pas te parler, je suis pas sûr que t'es la ref ou que t'étais là. Mais je pense à une drag queen qui s'appelle Jimbo. Et c'est tout. J'irai pas plus loin. Ah, il y a de la vitesse là. Vitesse et ralenti tout le jeu. Tous les ennemis de manière permanente, ça c'est très très fort. Il nous le faut absolument. Voilà, donc le jeu est ralenti et en plus moi je gagne en vitesse. Ça va faire du bien. De trèfle, je double mes bombes. Mais ouais, attendez, je sais pas si je peux vous trouver ça là. Je suis en train de rigoler d'avance parce que ma recherche Google c'est Jimbo Big Tits. Sur quoi je vais tomber, mon Dieu. C'est bon, c'est bon. Voilà. Fin de la ref. C'est Jimbo. Excellente drag queen, Jimbo. Je conseille. Bon, on s'est accéléré, mais c'est pas fou, hein. C'est pour arbousier, ça. Oui, c'est des prothèses. Il me semble que c'est des trucs en silicone. C'est genre une espèce de grosse combi en silicone. T'as vu la réputation que tu as, Arbousier. Ah mais je crois que c'est bien, non? C'est marrant. Ce soir, finale de Drag Race Belgique. Tout à fait, je vous enverrai sur le stream de Peak. T'as vu comment Yael s'habille? Oh là là, il a cherché, hein. Ah, oh, j'ai envie de te ban. Je vais voir mon premier drag show demain soir. Je suis intouchable, comme le légume avec le grand noir, là. Quoi? J'ai oublié le placenta. Je te mets 2 minutes, c'est trop grave. Il a lâché la rampe. Pas du tout. Ben ça y est, il a un CDI, il se croit. Oh, oh là là. Skyplay de droite. Ça y est. Trop tard. Et voilà. Ça, c'est Skyplay qui a balayé devant sa porte. Encore un bébé! Ah, peut-être le CoinJoin qui arrive, la transformation en siamois, il nous faut un troisième bébé pour ça. Qui se dévoue? Sky en cardigan.
Attendez, on va tomber sur Pécresse dans pas longtemps, là. Elle est in-game, hein. Elle arrive fort. Subir un dégât donne parfois plus 1,8. De toute façon, j'ai pas de trinket, alors on va le prendre. Pécresse en kimono. Péqué... Attends, c'était quoi? Péculesse. Ah mais si, j'avais un trinket, c'était le champi. Bon, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on est lent. Tout de suite, le virus. C'est pas le virus, hein. C'est joli cœur, ça me soigne d'un cœur rouge, on s'en fout. Le virus donnait de la vitesse, je crois. C'est qui Pécresse dans la politique? Genre, elle fait quoi? Je suis incapable de te répondre. Oh non, une pilule! Chance augmentée. Bon, j'ai rien qui influe sur la chance. Elle est endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Elle est de droite, elle est fauchée. C'est la dame des tickets à 4 euros. Elle a tout pour elle. Debout! Oui, voilà, pendant son discours à la présidentielle, là, elle a fait « Debout !» Et avec beaucoup de conviction. Et c'est vrai qu'il y a eu une interview, il y a longtemps, hein, où elle aidait... c'est de la com, mais elle aidait à nettoyer les déchets dans les espaces verts. Je sais plus ce que c'était, un truc comme ça. Bref, elle ramassait les trucs et elle a dit « Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. On a encore une carte de TP. On va retourner en Curse Room. C'est bien pour ça que j'ai voté pour elle. Tu vois? Sky, il a basculé. Hein. Un cœur noir. Allez, en Angel Room, on va avoir un bébé sacré. On va se transformer en siamois. Ça va être très bien. Finalement, être l'un des rares gays encore masculins. J'arrête de lire Skyplay. Le soleil. Là, il y a Sky en train d'écrire ta mère. Ah non, c'est Meg. Allez, l'Angel Room, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre. On ne s'ouvre pas. Oh.
Qui... Sky, bite en bois. Quoi, bite en bois? On fait pas la bite en bois, là. On fait The Lamb, Mega Satan. C'est ça, non? J'ai pas suivi. Bah quand on sait pas, on s'assoit et on se tait. Balai devant, tu sais quoi? Je balai devant ma porte. Alors après, balai, c'est B-A. A-L-A-I-E, car il s'agit du verbe balayer. Là, t'as écrit le balai-balai, quoi. Genre. Moi, j'aurais pas donné la période d'essai, mais bref. C'est pas un des pires trucs, les gens qui corrigent comme ça. Je le fais, hein, je le fais. Je le fais assez fréquemment, en réalité. J'essaye de le faire un peu moins, juste de pas casser les couilles, quoi. Ma copine le fait tout le temps. Ah, j'essaye de moins le faire, parce que c'est quand même bien casse-couille. Marga? Nightbot, il aime pas quand t'écris en inclusif. Hein. Askip, ça a aidé certains ou certaines. Ouais, c'est ouais. Cuisse tellement tentant. Au secours! Gali voulut dire que c'est tellement tentant de corriger. Allez. C'est dommage, si je m'étais dépêché, on aurait pu choper l'objet en boss rush. Mais je me suis pas dépêché. Comment tu veux que je me dépêche avec ce camion Ben aussi, là? Oh! Ça fait quoi, le droit des NES? Les familiers suivent Jello plutôt que Lilith. Le lancer de fœtus inflige dégâts plus 3 pour chaque familier possédé. Wow! C'est très fort pour l'avoir eu. Ça a l'air bien, mais finalement, on va peut-être fouetter davantage que ce que je pensais. Du débit. Pour fouetter plus vite. Fouettez donc. Kamikaze, par contre,
On n'est pas fan, hein. On n'est pas fan. Ça fouette. Vous avez déjà touché le kamikaze ? Cette phrase hors contexte, c'est quand même quelque chose, hein. Mais je crois que oui. J'espère. Allez, on va à The Lamb. On peut rentrer. Ah, mais ça va... C'est dommage de ne pas pouvoir prendre ça. Je peux pas prendre, sinon je pourrais plus avoir d'ange. Le problème, c'est... Enfin, non, je peux pas. Est-ce que je vais avoir un deuxième ange? Est-ce que je vais me faire pourrir cette game? The sun. Faites-moi daddy. Le problème, c'est que quand vous parlez de fouetter, j'ai une notion d'odeur. Et... Voilà. J'sais pas, j'ai envie de dire autre chose, je le dis pas trop là, mais... Bah tu sais, quand on dit ça fouette, c'est que ça pue. On ne me le dit jamais. Oh, qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Une mouche. Non, mais du coup, j'ai une rêve Twitter par rapport à de l'hygiène, et voilà, c'est tout. Je sais pas si j'ai envie d'en dire plus. Non, on déglingue tout. Hein. Vitesse diminuée, ouais, je pense qu'on va éviter. Hein. Putain, je vais pas avoir de deuxième ange. Hein. Je vais me faire avoir. Hein. Dirais pas... Bah non, il n'y a pas de sacrifice room. Pourriez-vous prier pour les anges, s'il vous plaît, dans le chat? J'en ai besoin. Ça n'a pas marché, mais... De la vitesse. Oh là là, on se déplace à une vitesse décente. Il reste encore un étage où on peut avoir les anges. Hein. Après, ça va être la merde. Peut-être la sacrifice. Peut-être une sacrifice, ouais. Finalement, il y a du cœur rouge. Tout.
Les ennemis sont ralentis, subissent deux fois plus de dégâts. Après, Sacrifice Room, ça coûte cher en PV quoi, hein. Surtout à ces étages, c'est des cœurs entiers. Dégâts plus 3, vitesse plus 0,6. Oui, c'est vrai que la sacrée, c'est toujours des cœurs entiers. C'est vrai, ça. Oh là là. 1500 heures de jeu, le gars, il oublie ça. Petit. Écoute, on est là. Ça va comme si, comme ça, tu vois. On fait ce qu'on peut, quoi. On fait très très mal, hein. La grande fouetteuse. Des pilules. Chance diminuée. Et bleu argue. Je te souhaite que ton moral s'améliore. Écoute, déjà que le stream là soit assez stable pour qu'on puisse faire quelque chose, c'est déjà pas mal, hein. Awaz. Merde, ça aurait pu être Pertro là, ça aurait peut-être. T'as la musique ralentie. Ouais, santé mentale avant tout, mais je me gère, ça va, je trouve. Mais justement, j'en ai marre de rien faire. J'ai envie de streamer. Petit stream 12 heures là, c'est parti quoi. Je pourrais passer du temps sur WoW, hein, sinon, mais en même temps, là, ils ont lancé un mode de jeu sur WoW. Oh, le cauchemar, quoi. Ça n'a rien à voir, mais si tu dois laisser le PC pour régler les soucis, il y a la version mobile. C'est pas opti du tout. Genre, streamer sur mobile, tu veux dire? Petit stream IRL, là? Pourquoi cauchemar? Ils ont sorti un Battle Royale sur WoW. Et c'est pas fun du tout. C'est-à-dire que ça pourrait être fun, mais ça l'est pas, quoi.
Déjà que le Battle Royale, ça s'essouffle un peu quand même en 2024. Mais... Allez, donne un truc, là. Allez, donne un truc! Oh, putain. One makes you large. Bon bah, balancez les prières. On peut traquer les articles démonstratifs et les analyser. Oh, j'ai vu sur Discord que t'avais eu un souci en plus. Angel Room s'est ouverte, merci pour vos prières! Merci! Merci! Ouh! Le saint éclat, sachant qu'il y a le A+ dans la pièce d'à côté. Allez, des dégâts. Une rune. Osef. Ça va être bien avec le A+. Et des sous Osef. Moi, toutes ces larmes sacrées là. Je sais plus si en donnant mes cœurs rouges aux mendiants, ça va m'enlever mon A+. Merci Margarita. La réponse tout de suite. Non, c'est bon. Non, c'est bon, on y va là. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Vas-y, donnez-moi quelque chose, donnez-moi des cœurs, hein. Petit bâtard, hein. Coucou. Coucou. Merci Shiva pour ton deuxième mois. Putain, j'ai la clé de Méga Satan. Elle est aussi dans mes familiers de mon fœtu. C'est dommage de ne pas pouvoir prendre deux trinkets du coup. On va en bas. Fléau de cécité. Combien de temps avant que je perde le A+, à votre avis? Voilà. Ah mais, pilule chance.
Allez là. Ah, attends, regarde les animations. Les photos, quoi. Mais lui, une grenade. Non, 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 attends, elle va nous donner un truc, là. HP up. Merci. Merci, Valérie. Merci. Vouloir désactiver le correcteur orthographique Marga, là je crois que c'est trop grave. Galoche péculesseux. Alors je peux coller ce. Watashi domo. Putain, c'est encore chez OP crotte ça. Watashi domo. Là, le Burstrite, il fait plaisir. Hein. C'est quoi la musique là dans les gros tétans là? Titans, tétans. L'attaque des tétons là. La musique du générique là. Sasa Geyo, voilà c'est ça. C'est ça. Coucou Mégante. Bah t'as les rêves de chez OP toi. C'est ça. Sasa Geyo, Sasa Geyo. C'est ça. Bon, je sais pas, je prends un truc là ou pas. On va peut-être d'abord faire le tour, voir si j'ai récupéré. J'ai déjà un objet de Guppy. J'ai cru y avoir un objet de Guppy, mais j'ai rêvé, non? Bah oui, j'ai la patte, j'ai la tête, je suis trop con! Bah oui, reste en face. Ah!
J'ai voulu éternuer, mais c'est parti. Sasa, Gayo. J'ai cru que t'allais mourir. Moi aussi. Chance augmentée. The world. Depuis 15 jours, on m'a dit qu'éternuer, c'est comme un mini-orgasme, je me retiens plus d'éternuer. J'ai toujours aucune idée de si c'est vrai ou non. Mais j'overshare. Peut-être un peu trop. Non, t'inquiète. Mais alors, pendant le pollen, là, t'inquiète. Je me fais plaise. Surtout que ça jute un maximum, hein. IPCAC. I'm not sure. Not sure. Si tu éternues pendant l'acte, ça contracte tout. Donc tu expulses tout aussi de toute extrémité. La couche usagée. Les mouches ennemies sont parfois inoffensives. Tu fais un blue screen pendant l'acte, mais tu vois à quel point je suis matrixé. J'ai eu un coup de stress parce que j'ai lu blue screen, quoi. Non, mais c'est quand même un peu... Beaucoup, quoi. Sasa, Gayo. Putain, j'ai mis ça dans la tête. Ça, c'est fait. Il nous manque... Megastana. Go la barbichette sang, ouais. Tu me la tiens, je te la tiens. Pas la barbichette. Il faut une torgale. La
pâte pour Mega Sasa. Peut-être, ouais. Bah, de toute façon, j'ai rien de vraiment mieux, hein. C'est pas ces petites mouches, là. Poids lourd. Augmente la taille. On a vraiment envie d'être énorme. Qui a envie d'être une gigavache? J'en suis déjà une. Arrêtez, arrêtez, c'est pas vrai. Y a que des bombes dans ce chat. D'ailleurs, c'est très beau une vache. Surtout dans l'assiette. C'est pas la même chose. Non, mais vous avez jamais vu là les vidéos des vaches qui font des câlins? Elles sont choues, non? J'appelle Hercule, King. Il est sur le coup. Merde, pourquoi je fais ça? Des vaches qui font pips. Ah, par contre, c'est les chutes du Niagara, ça. On a pas le même feed Twitter. Écoute, moi j'ai des câlins aux vaches, toi t'as des vaches qui pissent. Ah, je vais pas sur TikTok. Sur fesses de bouc. Sur le TikTok, là. Bon, y a pas de super secret. Ah, mais elle est super secret. Wow. C'est super. J'y vais comme ça. De toute façon, il va prendre cher avec Strength, là. Détruire. Je sais pas combien font mes familiers de dégâts là. Ça doit être beaucoup.
Ça va les patterns de merde là? Putain, la lenteur en plus du boss. Vraiment. Eh ben... Et le Void s'ouvre. Void, c'est ton moment. Je m'ouvre. Ah, c'est le printemps, là, ça se voit. Void est en train de fleurir au soleil. J'invoque parfois une araignée bleue dans les salles hostiles. Ah oui, mais j'ai plus de trinket parce que j'ai perdu le A+, en fait. Mon dernier étage, hein, du coup. A+. Yes. J'ai envie de lancer ce jeu de mort juste pour ça. En plus là, la version... Arrête, Delirium, là. Tu te calmes. Qui est fada. La version ralentie, c'est... C'est quelque chose, hein. Allez-vous-en. On va se choper une R-key, vous allez voir. La run va durer 10 ans. Qui est fada, mon gâté. J'ai lâché la rampe, mégantée. Putain, les expressions de chez OP, là. Elles stream ou pas? Augmente de 3% la fréquence d'apparition des cœurs éternels. Pas aujourd'hui, elle se repose. Ah, c'est pour ça que c'est là, du coup. Arrête! Faut que je zoome mieux, là, sur cette cam, là. On est le plan B. Ouais, le plan bit. J'ai bien compris. Le plan méga schlong. Sauter dans l'escalier. Une pilule inconnue. On y va. Portée diminuée. Mais mon plan bit, comment tu l'as compris? Après toutes ces années de te l'avoir caché. Enfin, vous allez être déçus, hein, parce que... Bah, je ne pratique pas le sexe. Pensez au plan Brie. Ah. Super frigide. Eh, frigide, c'est pas Ace, hein. Attention. Arrêtez, vous me saoulez. Vous me saoulez, là. Thank you.
plein de pilules. Portée diminuée. I'm excited. Ça c'est non. Range up. Il y a un cœur gris bleu dans cette salle de boss. C'est drôle d'être pas drôle. Mais vous saoulez là. Frigide, fragile là. Je sais pas ce que vous racontez, putain. Enfin si, j'ai très bien compris. Pourquoi Frigide c'est Ace? Bah non, ça l'est pas justement. C'est mal compris peut-être. J'ai de la merde. J'ai cru que tu m'appelais super frigide rapport au fait que je baisse pas. C'était la blague. Bah c'est pas très drôle, du coup. Bah c'est pour ça du coup je t'ai dit, bah non du coup tu peux pas dire ça. Aïe. Parce que Frigide et Ace, c'est pas la même chose. En vrai c'est quoi la définition de Frigide? C'est pas un mot de merde de base. Vous pouvez faire le boss là-haut, hein. Frigide, c'est le truc où tu mets la viande, là, le fromage, la mayo. Wiki pas fun. Qui n'éprouve pas de plaisir sexuel. Oui, alors il n'y a pas de plaisir. Ouais, je sais pas, c'est pas pareil quand même, non? Non, mais passons. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Non, mais ce que je. Dans Frigide, j'entends. A du désir, mais n'a pas de plaisir. J'ai pas de plaisir. Terme destiné aux femmes. On utilisera impuissance pour les hommes destinant. Encore à shamer les femmes pour leur sexualité. Et c'est bien ce qui me semblait, ce truc, que c'était plutôt un truc... qu'on disait aux femmes. Simplement parce que, en fait, c'est des mecs qui... qui les baisaient n'importe comment ou je sais pas quoi comme ça. Yes. Donc je pense que l'utilisation de ce mot, pas ouf. Voilà, ce qu'on va retenir de cette histoire. Oh putain. Pas ouf.
C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. Super ça. Poudre noire pour faire des cercles. Je sais pas si le boss peut être en bas là. Nope. Ah oui, t'as raison. Bah oui, parce que si c'est à droite, ça touche l'autre boss. Et à gauche, il y a une salle. Oh. Flemme, hein. Oh, la grosse flemme, là. Oh, c'est rude, ça. Salut Fighting. Je suis sur l'ancienne carte graphique Fighting. J'ai remis l'ancienne carte. Il semblerait, ouais. Avec... avec l'ancienne, voilà. J'ai commencé Undertale, c'est vrai Strog? Putain. Un jour aussi, hein. Un jour, Undertale. Après Silksong. Je découvrirai Undertale après Silksong. Ouais, c'est ça, au moins je peux stream. Bon, ça fait chier, hein, parce que c'est... J'ai quand même payé une carte graphique pour l'utiliser, pas pour la changer avec l'ancienne. Mais bon, au moins... Je peux faire quelque chose, quoi. Et quand j'aurai un petit peu plus d'énergie mentale, on refera des tests. Je remettrai l'ancienne avec mise à jour BIOS et compagnie, là. Mais là... Un ami ou autre chez qui tu peux la tester? Ah ouais, genre l'installer chez quelqu'un d'autre? J'y ai pas pensé, bof, en vrai. Mais ouais. Oui, parce que s'il y a le même problème ailleurs, tu pourrais dire que bon bah c'est la carte, il y a défectueuse, vas-y, ciao. Ouais, c'est ça, je peux peut-être tester sur le PC de Grim, mais... Lui non plus aime pas trop farfouiller dans le PC, quoi. Si son PC fonctionne bien, si c'est pour... Enfin bref. Je verrai. Il y a un monde, je disais, il y a un monde où je cancelle, j'abandonne tout et je me fais rembourser et on fait comme si de rien n'était. Bon, je ne sais pas quel boss est le bon. Ah.
Attends, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je pense que celui du bas est safe. Enfin, celui du bas à droite, pas celui du bas ici. Salut Calice, c'est une vraie run. Putain, je suis rentré. Ok, tout va bien. Je regardais plus ce que je faisais. Transformation Belzébuth. Je maîtrise les mouches. Bon bah du coup il est là en bas quoi. On va aller faire le boss de droite, utiliser une fois la clé rouge. Et après, oh, y a une batterie pour la clé rouge à la limite. Et après on récupère les cœurs qui traînent. Puis on y va. Je sais plus si la batterie était entière. Bonjour Kirb. Je sais pas si on prononce comme ça. Et re-bienvenue. Bon allez, on y va. Je crois pas, il n'y a pas de carte vraiment bonne, parce que celle-ci va pas servir beaucoup. Quoique ça permet quand même à ce que mon laser soit aussi en homing. Rien de bien passionnant quand même sur l'étage. Hein. Où est la patte de Guppy? Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait quand même prendre la patte. Pierre, étincelle, étincelle. Elle a pas dit la petite fée là. Merci Léa. Allez à la pêche. Il doit être en bas à droite. C'est le seul endroit où j'ai laissé un objet. Attends, quoi? Ah, c'est Kirb qui a dit que j'avais déménagé au Canada? Ah, je pensais qu'il parlait de lui ou elle. Je suis pas déménagé au Canada, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je croyais que tu parlais de toi. Ah ouais, non, c'est... Non, j'avais mal lu. Mais non, du coup, j'ai pas déménagé au Canada, non. Je suis toujours en France. Et j'ai pas prévu de déménager au Canada. Ça confond les streamers, moi, je pense. Hein. Coup dur.
Oh, l'âme d'Isaac juste à la fin, là. La flemme de refaire demi-tour. Allez, il y a peut-être un objet. Est-ce que l'âme d'Isaac... En vrai, en secret, on n'a pas la secret. Imagine, il y a un objet en secret. T'es sûr que t'es pas déménagé? Merde. Ça se trouve. Un meilleur trinket, y a vraiment rien qui traînait, hein. Ouais. Y avait rien de grandiose, hein. J'ai vu que c'était pas possible, mais je refais quand même. Allez, c'est ici. La salle secrète. C'est chiant, non? Ok. Eh bah, c'est très décevant, hein. Isaac pète ou fait apparaître un caca à intervalles réguliers. On a vraiment envie de ça. Soul of Isaac. Ma foi. Cette fois, on y va! À moins que je prenne les mathémèses si j'ai un PV. Non, mais j'en ai ras le cul. Je me casse. J'en ai marre. J'arrive, bébé. Ah, mais ça a augmenté mes dégâts aussi. Thank you.
Putain, mais ce dégât là. Le pied qui apparaît, enfin le dégât qui arrive avant l'apparition du pied, c'est toujours un régal, hein. Allez, c'est bon. Yes! Bah, c'était une jolie run pour le retour. Un peu lent, quoi. C'est un peu fait chier, mais au moins, elle est valide. Merci pour les GG. Il y a un mode pour corriger? Je sais pas si j'ai envie d'installer ça, justement. Parce que, tu sais, tu t'habitues. Puis après, quand il faut rejouer au jeu normal, bah, tu te fais avoir. Nous avons débloqué Jello. Ça, c'est bien. C'est un petit peu de homing. Et c'est cool quoi, ouais, qu'il y ait eu Delirium en même temps. Et les rochers avec des pièces. Ce qui est bien aussi. J'ai l'eau plus ces sections. Ces sections, c'était avec The Beast. Oui, il y a le mode Pécresse, on l'a vu pendant la run. Est-ce que les personnages, c'est des DLC? Ça vient de Repentance, qui est la dernière version du jeu. Ah, je veux dire que c'est un combo mortel. Ah, j'ai jamais eu, je crois, ensemble. Est-ce qu'on peut appeler Repentance un DLC? Oui, je pense, mais c'est la dernière version du jeu, quoi, ouais. Le mode Pécresse, c'est les mendiants qui demandent des pièces. Juste, il y a la tête de Pécresse à la place du mendiant. Si je reprends nos objectifs, pour savoir ce qu'on fait ensuite. Là, on a fait The Limb, Mega Satan, plus un petit Delirium par-dessus. La prochaine ligne, c'est The Beast avec Keeper. Pour débloquer la Keeper's Box et surtout Tainted Keeper, quoi. Pour ensuite aller chercher, j'imagine, voilà, le Golden Penny, The Lamb Mega Satan. De toute façon, il faut, c'est ça pendant pas mal de temps, là, je pense. Hein. Ouh là, il y a du Boss Rush Hush Delirium avec Tainted Keeper. Ça va être bien, quoi. Ah, The Prof de Maths, oui, Kirb. Kirbo, Kirb, je sais plus ce que tu m'as dit, je crois que les deux. Oui, tout à fait, oui. Là, je comprends mieux. Mais c'était, oui, ça date beaucoup, oui. C'est un autre monde, hein, dans lequel je ne suis plus, aujourd'hui. YouTube, des bisous. C'était la run de retour, de crash test, de quelque chose. Voilà. Des bisous à toi.